Bonjour à tous, aujourd'hui sortie en nocturne. Donc on part là, il est 20h10. On va faire peut-être 30 km, je ne sais pas. C'est la première fois en nocturne pour moi. Les autres qu'on a déjà fait en course à pied, je sais pas si en vélo ils ont fait. Enfin bref, on verra bien. Ça papote, ça papote. Bah comme c'est comme ça, ouais. Et là, à Oussalis, ils annoncent une belle semaine et de la un peu de pluie mardi, mercredi. Et après, apparemment, tout le week-end, il fait bien. C'est beau ? Ouais. Alors là, on arrive à un croisement, Rémi, sur la gauche. C'est peut-être pas plus court, mais... Parce que là, il faut aller rechercher le pont pour aller longer l'autoroute. Bah oui. Après. Je sais jamais comment naviguer sur certaines choses. Bah, c'est-à-dire qu'en montée, on va avoir chaud. Après, en descente, on se pèle un peu. Ouais. Là, j'ai vraiment chaud quand même. En plus, c'est vraiment quelquefois t'as chaud parce que tu tapes dedans, mais non, on est bien, tu vois. En plus, c'est pas fort. Si on leur merde, Mathieu, qu'ils le disent. Alors là, on va attaquer la montée du Haut Pichot. Un petit quart d'heure de montée, au moins. On va passer dans les arbres là. Et arrivé en haut, il y a encore un peu à monter jusqu'au village du Haut Pichot. Il y a plusieurs versants pour le monter. Celui-là est pas mal.
sent là quand même. Ouais, ça grimpe bien. On parle du mur de huit sur, sur la flèche wallonne, c'est 13%. C'est ce qu'on a juste après quoi. Ouais, c'est ce qu'on a juste après. Ouais. Je crois que t'as crevé. Alors là, Mathieu, qui n'est pas en tubeless, a crevé dans la descente, dans les silex. On va essayer de réparer sinon. Retour maison. Allez, Rémi, je vous fais un petit tuto sur la chambre arrière. Ça y est, je suis timide. Non, je suis trop timide. Je suis trop timide. Mais passez en tubeless quand même. Vous ferez gagner du temps, vos copains. Il y a un relais, Mathieu ? Et dodo, ça fait comment? À côté de la chambre colza, c'est parfait. Donc là, on est passé en mode éclairage de nuit. Bon, un petit peu de gris voir parce que, mine de rien, la nuit est vite tombée, le temps de la descente en fait. Et on dirait pas comme ça, mais on voit pas toutes les aspérités sur le sol. Mais rien que la lumière, ça aide pas mal déjà. On dira pas à la vidéo que c'est Rémi qui me pousse et il a pas un électrique. Elle est là la machine. C'est totalement une autre perception la nuit, c'est... À la fois c'est bien et en même temps on sait pas trop où on met les roues. Hein. Malgré le fait qu'on connaisse les chemins. Le fait que le terrain soit blanc, que la lumière soit blanche, on voit pas bien les reliefs. Thank you.
T'as filmé ma chaîne en or au fait? Bah ouais, mais il manque une dent. Enfin, ta dent en or plutôt. La forêt la nuit, c'est sympa. Enfin, c'est tous les chemins qu'on connaît et qu'on prend toujours le jour. Et là de nuit c'est autre chose. C'est bien marrant. Oh. Ouais, j'ai déjà assez de poussière comme ça, Rami. Bout de verre, qu'est-ce qu'ils ont besoin de casser des bouteilles ici? Normalement après on repasse un endroit aussi à pied. C'est trop de boue. Par contre ça c'est jamais sec comme endroit. C'est assez surprenant, on voit pas les racines, on se fait surprendre. Dernier moment. Ah ici, c'est l'horreur, il y a toujours plein de boue, tu sais jamais par où passer. Ça finit par un truc mécanique avec leur mécano qui a un rôle un peu boulé. Mais t'apprends des petits trucs. Maxime. Bah mais pas le pied, de toute façon. J'ai envie de te dire. Il y a moyen de le faire sur le fond d'arbre à Koh-Lanta. Koh-Lanta, alors je regarde jamais Koh-Lanta. Mais ouais ça va, c'est très bien. Koh-Lanta de Isk. Moi j'ai mis un truc. Ah bah nickel. Il est jamais sec ce chemin. Ouais, c'était le bon plan, hein, Rami. Non, mais c'est pas grave. On est pas là, on est en train de te le reprocher non plus. Mais je pense que là, sur la gauche, après, on va retrouver le château d'Ardelot, on va passer par le chemin. Ouais, d'accord. De toute façon, c'est ouvert. C'est ouvert la nuit, le chemin. Ouais, je suis prêt. Du moins qu'il n'y a pas de barrière, c'est ouvert. Oh de la merde. Oh le monde.
Et on est dans le bon choix là. Ouais. C'est. Je vous rappelle que cette partie est filmée. Tout ça dans le noir. Oh là là. Ah oui, je vais te voir aussi parce que. Elle est toute ta caméra là. Je vais pas la faire tomber, elle est pas étanche. T'as mis que je dis quoi, je vais rentrer, ça sera sec le vélo, je le nettoierai demain. Moi j'ai les godasses noyées, Mathieu. Attends, dans le tournant là, Rémi, on va pas rejoindre le chemin de la forêt là. Enfin du château. Voilà, on prend un chemin qu'on n'avait pas trop le droit de prendre. C'est la nuit, on dérange personne. Parce que le chemin qu'on voulait prendre à la base était impraticable, comme vous l'avez vu juste avant. Une vraie galère. Ah bah ils les ont remis parce que la fois dernière il y avait plein de flotte. Ah bah ouais, il y a toujours. On va arriver au bout. Caillou, Mathieu. Hein? Fais gaffe au caillou. Ouais, c'est pour ça. Je vais prendre vite la merde. Le bon mal à Pigouen de venir chercher. Bon, elle viendra pas de rechercher, on a que des chez moi. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première sortie en nocturne en compagnie de Rémi et Mathieu. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et de vous abonner, ça fait vachement plaisir. Allez, je vous remercie. Ciao !